Let's go. Allez, c'est parti là. Let's go. On y va. Allez, génial. Alors, je reprends un peu le fil de l'émission. Vous êtes toujours au Cannes Football Club, hein, ne vous inquiétez pas. On va toujours parler soccer, football. C'était la petite aparté de Sofiane, mais quand il part en aparté, c'est comme quand vous avez rendez-vous avec Sid et qu'il vous dit « je n'ai pour 15 minutes », ça dure 1h15 ou 1h30. Donc voilà, c'était le petit plaisir de... C'était le petit plaisir de Sofiane. Maintenant, on va retourner au terrain, parce que l'impact de Montréal... Au club de foot Montréal, ça bouge, et ça bouge beaucoup. Et vous savez qu'ici, on a notre expert en statistiques, en analyse. Donc, je vais passer la parole à Nilton parce qu'il n'y a pas eu une arrivée, mais deux arrivées cette semaine, Nilton. Et qui sont ces joueurs ? Qui sont ces joueurs, Julien ? Bah, il va nous en parler. Okay. Bing, bang, bong. Moi, je ne sais pas pourquoi je remplis les fichiers Google. Là. Bon, le premier, c'est lui. Hop, allez, vas-y. Bjørn Jensen, on en parlait hein, juste avant dans tes multiples schémas tactiques, Sofiane. Il nous manquait quelque chose en avant. Le fameux avant-centre pour compléter le schéma, et le voilà. On est allé le chercher, un joueur TAM, de ce qu'on a compris. On ne sait pas combien il a coûté. Probablement quelque part dans les six chiffres comme acquisition. Là. Ça n'a pas été gratuit, c'est sûr. Il avait été vendu, je crois, pour 1 million quand il s'est rendu en Corée. Avant ça, quand il y a eu le transfert entre Alkmaar et... entre Den Haag et Alkmaar, il avait été vendu pour 2,3 millions, si je me souviens bien. Donc, il arrive dans la fleur de l'âge. Là, ça, c'est pas les fameux joueurs avec marge de progression. Là. On s'en va chercher un joueur, pas pour le revendre, mais pour marquer des buts, pour faire en sorte que des joueurs autour de lui puissent bien paraître et éventuellement faire de l'argent avec eux. Donc, on a finalement notre attaquant buteur. Je dirais que oui. Moi, je dis, c'est dur à dire, mais vas-y, si. Non, mais je fais un lien avec la discussion qu'on a eue justement, Reg, la semaine passée, ce fameux facteur X, où on voyait quand même qu'il y avait un manque, même si on essayait de jouer un petit peu avec l'effectif actuel, on voyait un manque, et je pense que toute la démonstration que tu avais faite avec Toy, ben, tu peux faire la même, sauf qu'à la fin, maintenant, c'est Olsen. Comme toutes les qualités ou toute l'animation offensive que tu avais présentée la semaine passée, selon moi, elle est tout à fait valide, mais maintenant, avec un joueur d'un calibre supérieur. Donc, c'est très intéressant. Je pense que oui, ça je m'avais une grosse interrogation sur le nombre de buts avec plus qu'à une interrogation, je dirais même un doute sur le nombre de buts qu'était capable de produire l'effectif tel quel, de celui de lundi passé. Puis après, on a reçu 50 communiqués de presse pour toutes les arrivées. Et ça fait un peu plus de sens aujourd'hui. Nilton, il y a Étienne qui sur le fil là, nous dit que c'est un transfert libre. Oui, selon Transfermarkt, ça se peut. Je ne sais pas jusqu'à combien il pouvait peser sur la masse salariale de son club en Corée là, pour se débarrasser d'un salaire comme ça. C'est intéressant parce que Patrick le souligne aussi, c'est 19 buts sur une seule saison et c'est 25 sur 56 matchs hein, que tu as marqué dans la diapo sur un championnat qui est quand même le championnat néerlandais qui est... Certes, peut-être un championnat de seconde zone en Europe, mais qui est quand même assez costaud, malgré tout. Non, mais une seconde zone en Europe, c'est déjà très fort par rapport à la MLS. Là, j'ai envie de dire qu'il y a des grands buteurs, le meilleur buteur de Liga actuelle. J'ai envie de te dire qu'il a fait ses classes en Eredivisie. Donc c'est Ronaldo. Non, exactement. Quand il y a un joueur qui se démarque aux Pays-Bas, habituellement, il est pas mal dans la mire de tous les gros clubs européens. Donc ça démontre une certaine qualité. Ça commence à dater de quelques saisons. Mais bon, son parcours est un peu bizarre là, pour se retrouver comme ça, 3-4 saisons après être deuxième buteur du championnat, se retrouver en Corée du Sud, mettons que c'est normal, mais bon. Bah, et surtout le nombre de fois où est-ce qu'il va, je trouve que c'est pas nécessairement sain en général, mais il performe relativement bien à chaque fois, donc je me dis c'est quand même très très élevé. Je veux dire, on est quasiment dans un club par année, c'est du Christian Vieri, c'est jamais bon signe, c'est du Christian Vieri quoi. Il va arriver à son record. J'avais lu quelque part qu'il y avait eu une histoire assez bizarre avec son coach. Il s'était battu à la mi-temps. Ouais.
Bon, ouais. Des joueurs de caractère, c'est pas ça qu'ils voulaient de toute façon, Olivier Renard. La personnalité. Ouais. Pour encadrer les jeunes. Bon, c'est voilà. Important, Hamilton. Mais c'est drôle parce que pour l'anecdote, je vais plugger mise au jeu. Je faisais ma chronique sur le championnat du monde des clubs et puis le champion d'Asie et le Hyundai, l'ancien club justement de Olsen. Puis je trouvais ça drôle de voir que. Pourquoi tu l'appelles Olsen en fait depuis tout à l'heure. Ouais, je sais pas. Johnson. On voit le savoir un petit peu. Là, hein. Tu t'appelles Bjorn Johnson, mais t'as fait un mix avec. Il manquait des lettres. Je te jure. Cherchez le haut. Le haut de garde. Donc, maintenant, on va l'appeler Ragnar. Ragnar. Pareil. Et puis, c'est vrai que, bon, ben. On fera peut-être une carte des provenances des joueurs recrutés par Olivier Renard. Mais tu sens quand même qu'il a, voilà, il a l'œil sur beaucoup de championnats et il n'a pas peur de rendre ça, enfin, de prendre, ben, oui, des chances, mais en même temps, c'est quand même des joueurs qui avaient un certain potentiel. Moi, ça me dérange toujours un petit peu quand on va un peu trop loin dans les stats, entre guillemets. Je veux dire, c'est quand même 2017-2018, là, à quel point ça reflète ta forme actuelle. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, contrairement à d'autres, au niveau de la compile YouTube, la fameuse compile YouTube, parce que je ne vais pas faire semblant, comme certains, de connaître le joueur alors que une heure avant l'annonce. Ben, non, mais ce que j'ai beaucoup aimé, ouais, ça, c'est, il y en a qui, comme tu sais, le joueur arrive, ils font des diagnostics sur le joueur alors qu'ils ne savent même pas de qui on parle. Mais je sais qu'ils font un thread, là, de 5 tweets, ils jouent wow. Avec son style, son Julian Brandt. Mais pour aller plus loin, l'idée, c'est que ben, j'ai aimé la diversité des buts et la longueur de sa compile, où là, tu te dis, OK, ce joueur-là, il sait quand même marquer des buts et il y a moins de ralenti que d'action dans sa compile, et ça, c'est agréable. Contrairement à certains où vraiment t'as des ralentis, c'est long. On les voit jongler, on les voit comme s'échauffer. Et aussi, pour rebondir sur ce que dit Sid, certes, on est quand même loin, entre guillemets, de sa saison de 19 buts avec La Haye. Mais sérieux, le mec avec Akmar, il t'a quand même mis 7 buts. Rosenborg, après, en 15 matchs, il t'a mis 6 buts. Rosenborg, c'est quand même un club en Norvège qui fait la Ligue des Champions de temps en temps. C'est pas un club complètement lambda. Donc, c'est quand même un mec partout où il va. Et à Hyundai, l'équipe coréenne, il en a mis 11 en 31 matchs. C'est un mec qu'on peut dire qu'il met quand même des buts, genre dans certaines circonstances. Donc, c'est encourageant sans le connaître. Puis, pour rebondir aussi sur ce que disait Sid, moi, c'est vraiment le profil. Parce que moi, sérieux, avec les joueurs techniques qu'on est allé chercher, des joueurs de ballon, que ça soit Sedic qu'on avait de l'année dernière, qu'elle a avec le Mihailovic, avec des joueurs comme ça, un Kyoto qui peut tourner autour. Moi, je vois vraiment du bon œil d'avoir un attaquant quand même physique qui peut jouer dos au but, qui peut faire remonter le bloc. Et ça, c'est tout bénef. On a finalement une cible. On a une cible qu'on n'a pas eue depuis Drogba. Et qui n'a pas l'air d'avoir deux pieds gauches, comme elle décide par rapport à ses highlights. Il y avait une complexité puis une diversité qui disait « OK, il fait de la tête, il est pointu, il fait des croches, des crochets, côté opposé, il ouvre le pied. » Il y a une difficulté dans l'exécution technique. Et l'enchaînement. Et c'est ça. Et qui te fait dire que, bon, quelle que soit l'opposition, réussir ce type de geste-là, déjà, ça te met dans une classe un peu à part. Et ça, c'est prometteur, tu vois. Donc, c'est là où je dis un joueur qui est assez accompli dans ses faire. J'ai une question quiz pour les patrons, si vous voulez répondre au direct, puis pour répondre peut-être 30 secondes après. Ne répondez pas, s'il vous plaît. La réponse est facile. La question est facile. Quel est... JS, prends l'Ival. Quel est la... Ma main. Longtemps que j'ai pas lu. Quel est le dernier joueur qui est venu comme champion d'une Ligue des Champions, qui est venu jouer à l'Impact? Ne répondez pas, on va attendre. Bah vas-y, Reg, vas-y. Il a joué en Ligue des Champions? Il a gagné une Ligue des Champions avant ou pendant qu'il est venu à l'Impact. Ben, Drogba. Une Ligue des Champions, n'importe laquelle. Ok, j'ai la réponse alors. Bon, je sais, c'est pour les... Bon, vas-y, réponse, que je pense qu'en live, personne n'a compris ma question. Non, mais Piatti a gagné la Libertadores avant de venir à l'Impact de Montréal. Il n'a pas joué le match retour. Oui, sur la feuille de match, il a gagné. Bah, il n'est pas sur la feuille de match. Dans l'avion. Jimmy Traoré a gagné la Ligue des Champions, guys.
Let's not forget. Non, ok, excuse-moi, c'était quoi la réponse que t'attendais? Non, c'était Piatti, c'est Piatti. Je voulais que les gens répondent. Ah oui, oui, c'est moi qui vote. Tu m'as fait peur. Non, non, il a gagné. Il a porté l'équipe, donc comme quart de finale, mi-marque, demi-marque. En match aller, je ne sais pas, le match retour, c'est marrant que genre on a un autre joueur. Lui, il a vraiment gagné. Il a joué dans ce match-là. Il était là pour le trophée. Et puis, c'est bien qu'on a un peu. C'est un peu le symbolisme, hein, Piatti, c'est marrant. Je regardais ça. Avant la question Géopardi de Sofiane, qui était très claire, je voulais aussi mentionner un truc que j'aime beaucoup, c'est que Olivier Renard et son équipe, ils sont quand même allés un peu à l'encontre du style de recrutement, mais dans l'optique, je pense, de garder et de faire en sorte que l'équipe soit clairement plus compétitive, parce qu'on parlait d'un facteur X. Après, je suis pas en train de te dire que ce mec-là, il va finir meilleur buteur du championnat. Mais je trouve quand même de prendre un gars qui a 29 ans, comme dit Nilton, quand même dans la fleur de l'âge, il doit lui rester quand même 2-3 bonnes années à un très très bon niveau, je veux dire, où il est vraiment au top de sa forme. Oui. On dit souvent que le pic d'un joueur genre est plus vers 26-27 ans, disons. Et en fait, je trouve ça intéressant parce qu'on est quand même allé chercher plus des joueurs très très jeunes qui n'ont pas beaucoup de bagages et qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Là, dans un poste quand même assez clé, ils n'ont pas pris la décision de prendre un mec qui est unproven et qui n'a pas du tout d'expérience, parce que mine de rien, il a quand même de l'expérience. Il a joué en Écosse aussi, on a oublié de dire, je ne sais pas si tu l'as mentionné. Et voilà, le championnat écossais, il a mis ses 7 buts. Donc non, je trouve, je vois ça. Nilton, est-ce que tu peux nous faire un petit tour sur ta data là pour nous un petit peu nous expliquer? Ouais, Sofiane, t'avais pas un truc, t'avais pas ton doigt dans les airs, tu devais avoir. Ouais, bah, en fait, c'était pour 5 minutes à nous dire quelque chose. Non, non, allez-y. T'es sûr? Non, non, c'est bon. C'est bon. Il a pensé à son séjour Erasmus quand il a vu la Bulgarie, Norvège, Pays-Bas. J'ai pris un 20 minutes viral avec Tom Brady, puis vous me traitez comme ça. Mais allez-y, c'est bon. Allez-y. Non, mais it's good stuff. Sérieux. Ah, là, t'as pris la saison Aden Hag, là où il marque les 19 buts, c'est ça? Okay. Oui, exactement. Je vais aller prendre. À la haie. Au tribunal. À la haie, ça. À la haie. Où est-ce qu'il y a le tribunal? Il y a beaucoup de statistiques avec Bjorn, là, c'est intéressant, contrairement aux autres joueurs. Là. Donc, on peut avoir un peu plus de substance. Oui, j'ai pris la grosse saison qui le fait connaître, probablement au niveau international, là, pour avoir un peu plus d'aperçu de son style. Là, je vous amène tout de suite là, sur le carré où on parle du modèle d'attaque, là, où on n'a pas loin de 3000 minutes en 2017-2018. Donc, voit tout un de bon échantillon, alors. Ouais, exactement. Et oui, c'est sa grosse saison. Et on voit que sa note offensive est quand même assez forte. On n'est pas loin du 90%. Et c'est une note qui garde un peu là, dans les années suivantes. Là. La saison d'après où il part à la Khmer, c'est un peu moins bon comme saison, mais il est pas loin du 80. À Rosenborg, comme tu as dit, Reg, là, c'est peu de minutes, mais ça a été des minutes de qualité au niveau offensif. Il ne faut pas oublier que cette note-là, c'est des notes avec c'est comparé aux joueurs de la MLS, donc ce genre de performance-là en MLS, ce que ça pourrait donner. Donc, on voit que c'est un joueur offensivement très, très intéressant. En Corée du Sud, ça a été un peu plus compliqué, mais on peut espérer quelque chose de pas mal intéressant. Ce que j'ai aimé aussi ressortir dans ces graphiques-là, c'est le style de joueur. Et on voit que Johnson a un style qui pourrait vraiment faire une belle paire avec Kyoto. Pendant Kyoto, grave. Comme attaquant, quand on voit, là, ça s'imbride là, très, très. C'est vraiment très complémentaire. Ying et exactement. Yang. Du yin-yang, ça. Ouais. Donc, Johnson, lui, son style, il n'est pas là pour dribbler, il n'est pas là pour faire des passes. Lui, là, il a un one-track mind. Quand il est dans la surface, il est là pour tirer, il utilise beaucoup ses tirs. Il fait aussi, une fois qu'il n'a pas le ballon, il travaille beaucoup à la récupération, il dérange beaucoup l'adversaire et c'est des notes. C'est pas seulement son style, mais aussi son taux d'efficacité est très, très, très fort. Et les duels aériens, on en a parlé, là, c'est avec son gros. Tu sais, il y en a qui ont des gros gabarits et qui, c'est pas nécessairement leur force, mais lui, c'est clairement une force. Là, quand on voit les duels aériens, que ce soit dans les jeux, les open balls ou les ballons arrêtés, là,
Il est très, 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 très fort. Et aussi, les duels un contre un, c'est pas quelqu'un, comme on peut voir, là, c'est pas quelqu'un qui dribble beaucoup. Donc, quand il y a un ballon dans les pieds et qu'il doit faire un duel avec un adversaire, c'est plus compliqué. Mais quand c'est pour aller chercher le ballon et qu'on a un duel entre, disons, un défenseur ou un milieu de terrain face à Johnson, c'est un gars qui va gagner beaucoup, beaucoup de duels. Donc, on voit qu'au niveau du profil, Olivier Renard en a dit dans la conférence de presse, il est allé chercher quelque chose, une dimension de joueur qui faisait défaut, là, on avait beau vouloir que nos latéraux, que nos ailiers centrent un peu plus dans la boîte, mais quand on voit ce que Kyoto, qui était souvent notre avant-centre, connaît comme taux de réussite là, au duel aérien, c'est pas tout à fait ça. Là, on se retrouve avec un gars qui va beaucoup nous aider, autant offensivement que défensivement pour ces batailles de la fin. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Je vous pose la question à tous les quatre parce qu'Étienne nous fait une remarque. Pour lui, c'est pas forcément le style de joueur qu'Henri affectionne. Et il se demande si. C'est écrit où, ça, en fait? J'ai lu aussi ce commentaire. C'est quelque chose qu'il partage avec nous. Et pour lui, il se dit qu'il va jouer, mais qu'il serait pas sûrement titulaire. Alors que nous, on voit déjà cette paire d'attaques là. Quasiment titulaire en fait, on est même pressé de l'avoir joué ensemble. Moi sérieux, je parce qu'il est moins technique, j'imagine. J'essaie de comprendre pourquoi il dit ça, parce qu'en fait le truc c'est que je pense qu'on sait pas là vraiment le genre de joueur que Thierry Henry il affectionne déjà, un, et de deux, je pense que ce qu'il veut Henry, il veut forcément des attaquants qui soient complémentaires et qui puissent se retrouver dans n'importe quel style de jeu. On l'a vu, le style de jeu, c'est quand même de repartir. S'il en a fait part en anglais, très bien, donc ma faute, ma bad. On repart de l'arrière et on joue beaucoup sur les latéraux. Donc, du coup, il y a quand même beaucoup de centres. On a fait beaucoup de centres sur un mec comme Kyoto qui fait 1m20. Oui, il a gagné beaucoup de duels de la tête, mais c'est quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ce que je veux, moi, idéalement, je trouve qu'on peut garder ce même style de jeu. Mais en ayant un mec comme ça qui, de la tête, va gagner beaucoup plus de duels, et en plus Kyoto, il va être là pour le deuxième ballon, et ça va être hyper intéressant. Moi, je trouve déjà... Non, je suis d'accord avec toi, par contre... Moi, je trouve qu'on exagère un peu avec Kyoto. Je trouve que Il n'est pas bon de la tête, il a marqué, je me rappelle... Dit qu'il n'est pas bon de la tête, Sofiane. J'ai dit qu'il est petit et tu ne peux pas jouer... avec des centres, avec un avant-centre petit, c'est ça que je veux dire. Excuse-moi, je te critique pas toi, mais par rapport le fait qu'il soit tout seul souvent, c'est un problème. Il faut que tu aies plusieurs personnes dans la boîte, dans les actions régulières pour qu'il maximise tes chances. Oui, exactement. Quand c'était Bojan, il y avait quelque chose, pardon, Julien, par rapport à ce que j'ai dit sur Twitter, où je pense qu'il y avait un article dessus, là, je pense à MLS qui parlait que Kyoto, tu sais, Kyoto, là, il y avait des occasions de la tête, là, il se passait bien. C'est une question de placement, les buts de la tête. C'est du placement, du timing, mais c'est très important aussi d'avoir un mec qui va aller au duel. Et quand tu joues avec deux attaquants, il est là pour le deuxième ballon. C'est hyper important, surtout avec sa vitesse. Je suis d'accord. Je dis, quand Kyoto est tout seul, je pense qu'il avait des occasions. C'est tout ce que je dis. Maintenant, ça aide avec, comme tu avais dit, Broguillard, Kissa et compagnie, que quand on lance des ballons intéressants, qu'il y ait deux attaquants ou une grande asperge comme lui, comme Johnson, qui a du ballon. Je dis qu'il fait 1m20, tu te fous, tu me dis relax. L'autre, tu l'appelles la grande asperge, c'est sympa, toi. Hein, mais il fait 1m98. T'es 96. Un peu deux fois deux mesures, toi, dans la vie. Attends, excusez-moi. Je vais aller sur Google, là, Kyoto, c'est quoi sa taille, fait... là, 1m20, 1m20. Moi, j'ai pas. Ouais, t'es scandalisé par 1m20. Il fait 1m80. Il a ta taille. Moi, je me considère petit, moi. Donc, moi, je suis pas bon de la tête, je me considère petit. Voilà. Sauf, j'aimerais juste faire un tout petit truc parce que j'aimerais que tu repartes là sur si tu peux, comme on l'avait fait sur Canva la semaine dernière, parce que on est en train de parler d'un deux attaquants. Le gars, il check pas les Google Drive. On parle de Canva tout de suite. Le timing, c'est pas maintenant, mon frère. Hein? Mais c'est. Bon, alors tu l'as pas? Si, je l'ai. Oh, il te met devant les feux. Tu déconnes, quoi. Le truc, c'est que c'est important parce que ce que vient de dire Étienne, c'est assez important parce que si on part dans l'optique.